à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous, bienvenue, Amen. Psaume 118, deuxième partie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Bénis-le.
je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche, dans la voix de ton témoignage, fais ma joie. Plus grand toutes tes richesses, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés les bénisses. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles. Toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, de la main de leur maître, comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur, notre Dieu. Pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prie à la gorge, alors il nous avalait tout vif. Dans le feu de la colère, alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme, en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour.
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasié? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, il n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondé et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, et réussi sa mission. Du pape François, notre chair en prière. Notre chair réagit habituellement par la rébellion et les lamentations quand elle perçoit ses limites, sa pauvreté. Cette expérience, d'ailleurs quotidienne, nous prépare au moment où nous nous trouverons face à notre limite ultime. Nu, je suis sorti du sein maternel, « Nu, j'y retournerai », dit Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. La base solide de l'espérance prend alors la forme de l'acceptation de notre contingence. Cette limite nous guide également le long de notre chemin dans la nuit obscure. Bien que Job fasse l'expérience d'une forte résignation, sa prière, puisqu'elle touche la limite de l'indigence de la chair, jaillit du plus profond de l'amertume et de l'angoisse. Mais pourquoi certains peuvent-ils profiter tranquillement dans un bien-être apparent, riant de Dieu? Cette question nous blesse et nous fait nous sentir pauvres, mais aussi stupides. Seule la prière nous donne la force de surmonter l'épreuve. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est le sentiment de la limite de notre chair, de notre pauvreté. Notre chair blessée permet à Dieu de se manifester. Il nous suffit de reconnaître notre faiblesse et de laisser un espace à la prière dans nos vies,
à la manifestation de la force divine. La limite, la pauvreté, peut être transformée en croix à travers notre prière. Le mal s'accomplit quand un homme ou une femme ne voit que leurs empêchements, ne prie plus, mais se lamente. Ils cessent alors d'être les serviteurs de l'Évangile, mais se transforment en victimes. Nous devons nous souvenir que la prière est l'ouverture au don de Dieu et qu'il est possible de sentir ce don dans notre propre chair. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main ainsi que sa femme et ses deux filles parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie.
mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire « petite ». Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorre et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée, semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Voici que dans le cycle d'Abraham que nous parcourons en ce moment, la liturgie nous donne à lire l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre, de la fuite de Lot et du destin de sa femme changée en statue de sel. Que peuvent évoquer pour nous ces pages, si ce ne sont quelques souvenirs géographiques, la beauté désolée des rives de la mer morte, terre nue, sans arbres ni oiseaux, les couleurs violentes des pierres foudroyées par le soleil et le sel, terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort que nul homme ne parcourt. Ou alors, quelques questions vaines et mal posées sur la vindicte de Dieu. Et cependant, c'est l'histoire d'un exil, d'une sortie du péché et de la mort, c'est l'histoire de notre âme. Il nous est dit d'abord que le mal sera détruit. Le mal tuera l'impie, dit un psaume. Et l'Apocalypse parle de l'étang de feu et de soufre embrasé dans lequel tomberont la mort et l'Hadès. Le mal ne tiendra pas, il n'a pas d'être en lui qui lui permette de durer, et il se brise contre la miséricorde de Dieu. Car Dieu entend le cri du malheureux, il entend le cri de ceux qui ont été brisés par les crimes de la ville, et le cri de notre cœur, broyé par le mal subi et par le mal commis, par l'angoisse de la blessure et de la mort. Et Dieu se souvient. Il envoie son ange. Nous ne luttons pas seuls contre le mal, puisque l'ange du Seigneur est à nos côtés qui nous guide, puisque son esprit a été répandu en nos cœurs pour nous conduire à la vérité tout entière, puisque quelqu'un avant nous a connu cet exode et avant nous et pour nous a traversé la mort, vainqueur une fois pour toutes. Et c'est pourquoi nous pouvons nous arracher au mal, prendre la route à sa suite, être sauvés comme à travers le feu. Car le feu doit venir calciner tout ce qui nous tire vers la mort, brûler les scories de la mémoire, de l'imagination, nous épurer comme on épure l'argent. Baptême de feu dans l'esprit qui purifie, qui redresse et sanctifie, qui réchauffe et assouplit. Et nous n'avons qu'à nous laisser faire, sans regarder en arrière, comme la femme de Lot, sans vouloir retenir ce qui est mort, revenir à ce qui est passé. Nous abandonner au feu qui consume entièrement l'Holocauste pour qu'il soit tout entier consacré au Seigneur. Offrez-vous à Dieu, demande Paul aux Romains, comme des vivants revenus de la mort. Et Dieu alors nous offre un asile.
non dans la plaine, mais dans la montagne, car il ne faut, après ce premier exil hors du péché, cesser de monter. Qui me donnera des ailes de colombe que je m'envole et me pose ? J'aurai bientôt un asile contre le vent déchaîné et l'ouragan qui dévore. Sur les ailes de la colombe, du paraclet qui vient confondre le monde en matière de péché et en matière de jugement, nous sommes menés à un asile qui nous paraît petit, tant nos yeux humains restent encore troublés, mais qui est grand comme la miséricorde de Dieu retenant sa justice. Je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé, dit Dieu à Lot qui court se réfugier à Soar, la si petite. Un asile grand comme le cœur de Dieu. Brûle, Seigneur, au feu de ton Esprit Saint, toutes les Sodomes qui demeurent en nous. Et à la prière des justes qui supplient pour nous, par l'intercession du juste qui a tracé pour nous à travers la croix la route de l'Exode, guide-nous par ton ange jusqu'à l'asile de ton cœur, jusqu'à la vraie vie en toi. Te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les enfants victimes d'exploitation. Retire-les des mains de ceux qui les maltraitent. Seigneur, nous te prions pour les parlementaires qui votent les lois dans les différents pays du monde. Guide-les dans leur travail. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui rendent la justice. Écarte d'elles les pressions pour qu'elles puissent le faire en toute liberté et en toute équité. Nous te prions, Seigneur. Dieu sans fort, sans immortel, prends pitié de nous. Saint.
unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, a voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Fait chair.